Bonjour. Bonjour Bonjour Christophe. Christophe. Bonjour. Bonjour Hugues. Ça va? Ça va, ça Malgré tout. Oui, non, pas bien. C'est bon de votre côté, Sherbrooke, hein, tout va bien? Ouais, c'est pas trop mal. Quoique là, les règles de confinement commencent à se resserrer Ah lentement, mais bon? sûrement. Ouais. Vous êtes à la campagne là-bas, tranquille. Vous pouvez vous promener, Ah faire oui, tout. ça pour ça, oui. Qu'ici, on peut sortir, mais bon, c'est un peu limité. Ouais, ben en tout cas, les sentiers de randonnée sont de plus en plus achalandés. Thierry, t'es déjà allé à Sherbrooke, non? Enfin, Non, non. Loïc, je sais, non. Ouais, moi Magnifique. j'ai eu la chance d'y aller. Quand même assez sympa, c'est qu'il y a les pistes de ski pas loin, donc tu peux aller au ski après la journée de travail, un truc comme ça. Je peux dire qu'on avait fait une réunion et on voyait les pistes, c'était ça donnait envie. Je vous propose de laisser encore quelques minutes que d'autres participants se joignent à nous. Et ensuite. Moi, On a tout fait. je serai observateur, moi. Donc, je vais me mettre en caméra off, mais je serai là. On attend combien de participants de votre côté? Oh, c'est une bonne question, je ne pourrais pas y répondre. D'accord. Hello. Bonjour, Antoine. Salut, nice to meet you. Je vais répondre à ton mail, Antoine, un petit peu plus tard. Le problème, c'est que depuis, ça n'arrête plus. Ouais, non, le truc bizarre, c'est que j'ai vu la réponse de Thierry d'abord et après le tien est arrivé. Et donc je vais m'y mettre aussi. C'est les joies du mail à l'Institut d'optique. Hein. Je vais réfléchir parce que des fois qu'il soit forwardé, après je vais réfléchir à quoi écrire. Oh ben, de toute façon, Alain l'a déjà forwardé au ministère, mon truc. Donc, Ouais, j'ai vu. Alors, je vous propose d'y aller maintenant. Bonjour Ça Hugues. vous va? Bonjour. Tout le monde est prêt. Bonjour tout le monde. Merci d'assister à ce séminaire de l'IQ. J'ai des petites notifications ici de personnes qui veulent se joindre. Alors, ben merci d'assister au séminaire de l'IQ. Je dois vous avertir que le séminaire sera enregistré pour permettre à notre communauté de l'écouter en différé. On reçoit donc aujourd'hui la start-up Pascal, qui vise à développer une plateforme de calcul quantique à partir d'atomes neutres. Merci à Thierry Lahaye et Loric Henriet qui nous présenteront la science derrière cette start-up et les dispositifs qu'ils utilisent pour cette plateforme de calcul. Un merci tout spécial à Christophe Jurzac, collaborateur reconnu, on pourrait le qualifier d'ami de l'IQ, pour son aide dans l'organisation de ce séminaire. Bon séminaire à tous et je cède la parole à messieurs Lahaye et Henriet. Ok, donc Loïc, je commence, hein, c'est ça? Oui, je pense que c'est mieux dans ce sens-là, ce sera plus logique pour les présentations. Alors, donc pour partager l'écran, ok, ça va être 100 et ça va être 100. Français, anglais? Comme vous le sentez. Okay, so I will probably switch to English because, for the better or worse, I'm more used to presenting those things in English. So, sorry, guys. All right. So let me maybe go to full screen mode. So it's fine. You can see the slides.
Oui, c'est parfait. I guess so. Okay. Okay. So I will. So the idea in this first part of the seminar somehow will be to present what we do in the lab. So not at Pascal, but really at the Institut d'Optique in the academic part, basically. And this will this will this is basically the building blocks on which Pascal will build the machine that the machines that they will sell and so so mm-hmm. I mean it's a seminar, so I guess maybe if there are questions along the way or so, don't hesitate to just interrupt me and we can take a bit more time to discuss something and then I can skip some content. I think it's maybe more lively. But, all right, so I will be talking about quantum simulations in arrays of Singer-Rydberg atoms. And this picture here that you see is just a fluorescence image taken with a CCD camera of the fluorescence of single rubidium atoms. So each little dot that you see here is just one atom which is emitting light and that we collect on a camera. And as you can see, we can arrange it, I mean, all these atoms into this kind of pattern. And Thierry, and sorry, can you just put it full screen, the slide? But it is full screen on my screen. Ah, okay. So we don't on plein écran. But at least make sure that the window on the left is very tiny so that the slide is... I have no window. Okay, maybe I should I share the screen again or... Oui, peut-être tu pourrais essayer. Okay, so this should be it. So I stop sharing. And let me try to share again. So, I mean, I don't know. How is it now? Yeah, c'est très petit, because it's not full screen, I think. So. Thierry, tu peux soit partager un écran, soit partager la fenêtre. C'est peut-être pour ça qu'il y a une... Partager la fenêtre. Hein. Ou alors, je ne sais pas ce que tu as partagé, si c'est l'application ou l'écran, mais... Alors, moi, si j'ai partagé du contenu. OK. Non, parce que... OK, let me try this. I'm really sorry for that. So it's supposed to share the PowerPoint thing, but I have a white screen. Yes, we have a white screen too. Ah, come on. I don't know. I mean, maybe what? Maybe you can try just on the bottom right, just to widen your screen. Right there. Thierry, quand tu es dans le mode pas full screen, oui, c'est ça. Quand tu es dans le mode pas full screen, donc tu en sors, essaye en fait de faire au moins, parce qu'il recopie exactement le truc pas full screen, mais en te mettant la fenêtre à gauche, là, avec tous les slides. Fais en sorte qu'elle soit toute petite, celle-là. Ça va déjà grossir le. Ah, ouais, d'accord. Voilà, donc ça c'est déjà OK. Merci. Ça convient comme ça? Oui, c'est mieux. Ouais. Excellent. OK, bon. OK, sorry for that. So, yeah, so this is the type of arrays of single atoms that we use. And so this work is done in the group led by Antoine Brouwer at Institut d'Optique. And here are the people working in the lab on the experiment. And we also benefit from very fruitful collaborations with theory colleagues. Hans-Peter Büchler in Stuttgart and Andreas Leuschli in Innsbruck.
All right. So, I mean, I can maybe be fast on that. So we all know that for any application in quantum science and technology, basically what you want to have is to have many good qubits, basically. And so if I do a kind of plot like this, where I have on the x-axis the quality of qubits or the gate fidelities or whatever you like, and on the y-axis the number of quantum particles that you manipulate, in some sense, there is a trade-off always for all the platforms. If you take ions or superconducting qubits, they are very nice fidelities and close to quantum error correction thresholds, but still they are limited to very small number of atoms, or of qubits, like a few tens at most. On the other hand, if you take neutral atoms in quantum gas microscopes, for example, you can have 10 to the 4 atoms or even more with individual control, but still the degree of control you have is somehow limited. And the platform we use at Institut d'Optique and at Pascal, just a few years ago, it was actually not even on this slide. I mean, it was really at the bottom here. And over the last few years, a lot of progress has been made in our group and in other groups around the world. And now basically this platform lies somehow here in this plot. And so what I will try to show you is that there are very interesting things to do with this platform for which it's probably better suited than the other platforms that are on the market. And in particular, quantum simulation, but not only. All right. So this is a bit more in detail our platform. So we have those arrays of single atoms that we can trap in optical tweezers, and we can really program the geometry of those atoms. So here you have an array with about 150 atoms arranged in a regular triangular array with exactly, in fact, there are 147 atoms there, and there are exactly 147. It's plus or minus zero. We really control the geometry and the number of atoms exactly. The spacing between those atoms, since they are trapped optically, is a few micrometers. And so if you do nothing and just keep ground state atoms in those traps, they just don't feel each other. And therefore you have no many body effect at all. And so the way we go to the many body regime is by exciting those atoms towards Rydberg states, for which you have very strong interactions, typically a few megahertz, which means the dynamics occurs on microsecond timescales. And this is to be contrasted with the lifetime of those Rydberg levels, which is a few hundreds of microseconds. So to a good approximation, you can neglect decoherence and you have a closed system which is undergoing unitary evolution. And what's maybe even more important is that those arrays of single Rydberg atoms, they implement spin models in a very, very natural way. You have nothing to engineer, just using the native interactions between those Rydberg levels gives you either easing spin-spin interactions or XY type of interactions where you have those flip-flop terms here, sigma plus, sigma minus. So this is the outline of my talk. I will first take a bit of time to present the nuts and bolts of our experimental setup. I will, of course, not go too much into the details. Do not worry. And then at the end, I will just show some recent experiments that are still actually work in progress that illustrate nicely the use of the platform for quantum simulation. All right, so this is a rough sketch of our experimental setup. We have a vacuum chamber here and some high numerical aperture lenses that allow us to take a beam of light here and to focus it down to a waist of about 1 micrometer. This creates a trap for cold atoms. And in fact, we create what is called a magneto-optical trap. So these are just laser-cooled atoms. And from time to time, we will have atoms that fall into the optical tweezers that we create by focusing. The size of the tweezer is pretty small, 1 micrometer. And for that reason, this means that you cannot have more than one atom
in the trap at the same time. If you have two atoms, they are both expelled due to light-assisted collisions on a very, very fast time scale. And therefore, this means that in your trap, you can have either no atom or one atom, but nothing else. And in fact, the two things are at the same probability. And so at any given time, you have a one half probability of having a single atom in the tweezer. So how can you see that in the lab? You can actually just collect the fluorescence emitted by the atom in the trap. If you see no light, this means no atoms. If you see a decent amount of light, you see that you have one atom. So this is a single atom source, but as you see, it's non-deterministic. So this was pioneered actually at Institut d'Optique around 2000 and in the group of Philippe Grangier, and Georges Olivier was the PhD student suffering to obtain this kind of signals at the time. So this is very nice, but of course, if you have just one atom, you can't do much. And so the next step is to have many optical tweezers to have many atoms. So the way we do many optical tweezers is to add this component here, it's a spatial light modulator. And it's just a computer-controlled phase grading, which allows you to tailor the phase of your trapping beam here. And when you focus it down with the optical tweezers, in the focal plane here of the lens, you will get those kind of arrays. For example, here you have a square array with 100 tweezers. This is here a triangular array and so on and so forth. And then you can load cold atoms into those tweezers and monitor the fluorescence on the camera. And you see the nice image of your array. But those images here are averaged over a very, very long time, much longer than the time it takes for atoms to come in and out of the tweezers. And so, in fact, when you do an actual experiment and you load atoms into the tweezers and then stop the loading to do some quantum physics, in fact, you have just half of the traps which are loaded. So if I take, for example, this square array here, and I take a picture after loading, you see that I have roughly half of the atoms missing. And of course, if I redo the experiment, then I will have a different configuration. And so this is a lot of disorder. And this is, of course, a big drawback if you want to do some clean quantum physics with your system. And so this was the status up until four or five years ago. And the way we solve this problem is by actually sorting the atoms actively with a moving optical tweezer. So imagine you want to do a regular array of traps. You start from a bigger array with twice as many traps as you need atoms in the end. You load this in a stochastic manner and you take a picture to see where the atoms are. And then we have an algorithm which computes on the fly how you can move the atoms from one trap to the next, such that you always end up at the end with the same pattern. And this you can do actually pretty fast in a few tens of milliseconds. And at the time in 2016, we had up to 50 atoms, fully loaded arrays. And so the filling fraction is high enough such that you have a very decent probability to have fully loaded arrays. And actually, you can select really the experiment only when you had a fully filled array. And the repetition rate of the experiment is still pretty fast. It's several times per second, which in the cold atom community is really, really fast compared to other platforms. And this is, of course, something very important when you want to acquire a lot of statistics. Okay, so this was the status 4 years ago, and since then we have extended this also to three-dimensional arrays, as you can see on this picture here. We can do pretty much any shape we like, including some that are probably not useful for quantum science. But this is something that we have not used so far to do quantum simulation, but we will do so in the near future. And recently, what we have done is actually to extend the number of atoms that we can do in our arrays by carefully crafting our assembling algorithms. And now we routinely create in the lab those arrays of more than 200 traps with pretty much arbitrary geometry. So this can be like regular arrays, but also, for instance, you can do a square array here with an edge dislocation. And so this is the kind of thing which is quite neat
if you're interested in quantum simulation, because you can really program what you want, inspired, for instance, by a condensed matter problems. Okay, so this is the first ingredient. We have now a nice array of ground state atoms. And so how do we do quantum physics with them? The idea, as I said, is to have them interact by exciting them to Rydberg levels. So a Rydberg atom is nothing but an atom excited to very highly excited state with a large principal quantum number n, typically in our experiment between 50 and 100. And classically, this means that the size of the electronic orbit is multiplied by n squared. So it's really huge, which means that you have exaggerated properties for your atom. Basically, the electric dipole moment between adjacent Rydberg levels scales as n squared, like the size here. And the lifetime also is increasing a lot. The higher you go in n, the longer the lifetime. And typically, it's a few hundreds of microseconds. So in practice in the lab, how do you go to these Rydberg states? You just need to buy some lasers that are nice for doing that. And you can actually do a two-photon transition between the 5s in the case of rubidium and the ns state. And this is an example of just rabi flopping of your atom between the 5s and the ns state. So you see that this is highly coherent. We do have a little bit of decoherence, but it's really highly coherent. Okay, so the very reason why we use Rydberg levels is because they interact very strongly. And so if you take two Rydberg atoms separated by distance r, they will interact mainly via the electric dipole-dipole interaction, which is given here. And then depending on how you prepare your two atoms, you will have a different effect of this dipole-dipole interaction. If you excite your two atoms to the same Rydberg levels, actually, the dipole-dipole interaction has no effect to first order in perturbation theory, just because basically the average value of the electric dipole moment is zero in an atomic state, just for symmetry reasons. But still, you have an effect at second order of this dipole-dipole interaction, which means that you have an interaction which is an energy shift scaling as 1 over r to the 6. And this is called the van der Waals interaction. And so, if you have your two atoms, the transition from the two atoms in the ground state to the two atoms in the Rydberg state, instead of being at the bare transition frequency, it's actually shifted by this quantity here. And now, as you will see in more detail in a minute or two, if we encode a spin, like saying spin down is the ground state is a spin down and the Rydberg state is spin up, then this is a way to engineer Ising type of spin-spin interaction. There is another way to have interactions between Rydberg levels. If you prepare, for example, the first atom in the Rydberg S state and the second atom in a Rydberg P state, then what happens is that this collective state is degenerate with the state PS, where the two atoms have exchanged their internal states. And so this type of interaction, it's the XY model in quantum magnetism. It's a flip-flop term. When you encode now the spin into the two Rydberg levels here. And so we can use both interactions for quantum simulation. All right, so the basic mechanism which is at play when you want to do some quantum engineering with these arrays of Rydberg atoms is called the Rydberg blockade. It was introduced almost 20 years ago by Misha Lukin, Peter Zoller, and others. And so I'm pretty sure most of you are familiar with it, but let me just recap it very quickly. So if you have just one atom and with the ground state and the Rydberg state, when you couple them with a resonant laser, which has a Rabi frequency omega, you will have nice Rabi oscillations as I've shown before. But now if you have two of them, as a function of the distance r, when you plot the energy levels of this two atom system, you have the two atoms in the ground state and they have zero energy, whatever the distance. You can have one or the other atom excited to the Rydberg level. And so this also has an energy which barely depends on the distance. And then
As we have seen, if the two atoms are in the Rydberg level, then you have this van der Waals energy shift, which scales as 1/r^6. And so if the two atoms are very close to each other, how close? Well, inside this blockade radius defined by this quantity here, you can go from the collective ground state here to a first excitation, but you cannot do the second one because it's off-resonant. And so this means that in practice, you can forget about all those levels. And you have, in fact, just two levels, the collective ground state and this excited state here, the symmetric combination, which are coupled together with the factor square root of 2, which arises from the fact that you have two possible states here. And so this is an entangled state. And so this is the basic mechanism to, for example, entangle two neutral atoms using this Rydberg blockade. And what's nice is that it's something that you can also extend to more than two atoms, as long as they are all within one blockade volume. So this is, of course, interesting for doing quantum gates and so on. But in our lab, what we have been doing over the years is more to be in a regime where the blockade radius is comparable to the distance between adjacent atoms in the array, such that you can have several Rydberg atoms, as those blue states here. But of course, if you have one Rydberg atom, for instance, here, all those atoms nearby are blockaded and they cannot accommodate a Rydberg excitation, which means that you have a strongly correlated many-body dynamics. And as you will see, this is described by the Ising model. So this is the basis for quantum simulation. And I will now show you in more detail an example of such a simulation with some brand new results, which have been obtained in the lab even this week. So it's brand new. All right, so again, I have this array of atoms. Each atom, I can describe it as a spin down or spin up. And I have a laser shining on all the atoms with Rabi frequency omega detuning delta. If I write the Hamiltonian for this system, I have two parts. For each atom, I have the laser driving, so with the flip-flop term due to the Rabi frequency and some detuning here. And then I have an interaction term because those atoms, when they are in the Rydberg state, so that's why you have this projector here, they will interact via the van der Waals interaction. And so, in fact, when you recast everything in terms of those spin up and spin down, this Ni is, you have this sigma z Pauli matrix, which appears, which means that here you have some sigma z terms, and these are Ising couplings. And in fact, here, the laser driving in terms of spins, you can just see it as an external magnetic field which is acting on your spin. You've got a transverse component of your field and then the longitudinal field, which is the detuning. And so these are things that you can use to manipulate your spins in the many-body regime. So there are many experiments that you can do along those lines, and I will focus on one type of experiment, which is trying to prepare the ground state of the system or to something close to the ground state by doing some kind of adiabatic preparation. And so we are in a regime where the blockade radius is just above the lattice spacing. And so if you try to excite as many Rydberg atoms as you can in the system by varying the detuning of your laser, in fact, you will you expect to observe this type of ground state where you have a Rydberg atom every second site. And actually, in this case, you have two equivalent ground states that should appear. So how do we do that? Well, as I said, we will tune omega and delta, the laser parameters, starting here in the paramagnetic region with all the atoms in the ground state. So really the pictures I was showing before. And then we'll vary in time omega and delta to reach this region here, where you expect anti-ferromagnetic ordering. So if we do that, I mean, this kind of experiments, there have been many experiments done over the last 2 or 3 years along those lines. And so there were, for example, very nice experiments at Harvard
in 2018 in 1D chains, where you can really observe this ordering, where you have Rydberg atoms every second site. At Institut d'Optique, we did some experiments at the same time in 2D lattices, but at the time they were a bit small, it was 6x6. And more importantly, we didn't have a very highly coherent Rydberg excitation as we have now, which meant that we were limited by laser dephasing. And so the kind of antiferromagnetic correlations that we could observe, so what is plotted here is the spin-spin correlation function that we can reconstruct after doing this preparation experiment and measuring many times the outcome of the experiment, shows an alternation of spin-up and spin-down as you expect for an antiferromagnet. But you see that the contrast of these correlations goes down pretty quickly. And if you feed this by an exponential decay, it's actually decaying over just 1.5 lattice size. So this is just the onset of antiferromagnetism. So now we have a much better excitation laser, much more coherent. And if we redo just exactly the same experiment, actually this is the kind of correlations we obtain. So there's no scale here because this was preliminary data that I didn't bother to update recently, but you see that the decay is actually very, very slow. And if you try to fit even a correlation length here, you get something which is three times the size of the system. So it doesn't really tell you anything, except that you have a much, much better preparation of your antiferromagnet. So we can actually even see this not just by measuring correlations, but just by measuring the statistics of the outcome of the experiment. So you have 36 atoms. So in principle, the Hilbert space has a dimension 2 to the 36. And when you measure the spin configuration in the Z basis at the end of an experiment, when you repeat this many, many times, you see that actually there are two states that appear in the vast majority of times, which are exactly these antiferromagnetic states. And there is a little bit of noise here, which actually is essentially not due to the fact that your preparation is not perfectly adiabatic, but more by the fact that when you detect the state of each atom, you have a tiny probability to make an error. And this shows up as in ending in a different state in the measurement. And so this is why you have this kind of noise. And so we can now also do this kind of experiments on larger arrays. So we did it, for example, even on a 10x10 array, from time to time, you manage to get a perfect antiferromagnetic ordering. So these are really the kind of images that we get in the lab on the screen of the computer. This is just after reordering your atoms. And then you have the Rydberg excitation. And 10 milliseconds later, you take another image. And the Rydberg atoms are not observed in the camera because they cannot fluoresce. They have been expelled from the trap. So really, the missing atoms here are just Rydberg atoms. And you see this perfect antiferromagnetic ordering, even on a 100 spin array. So we can analyze this more quantitatively, again, doing this kind of correlation functions. So we did things, for example, in a 200 atom array. And you see that the correlation extends over essentially 8 lattice sites. So this is really a large correlation length. And it's we know a little bit the limitations of why we do not get a perfect antiferromagnetic ordering, because we benefit from very fruitful collaborations with Andreas Leuchli, who is a specialist of exact dynamics of spin models with heavy numerics. And they were able in his group to reproduce our results by putting in the simulation only coherent evolution. So you don't need to put any dephasing or stuff like that. But you need to put a little bit some imperfections that we can measure independently in the experiment. For example, some residual positional disorder of the atoms. They are not exactly sitting in a perfectly regular array. There are tiny fluctuations. Also, some more mundane things like the finite
size of the Rydberg excitation beams, which means that the atoms on the edges of the lattice do not have exactly the same Rabi frequency as the atoms in the middle. And so this, in the end, plays a role. And so these are things that we can improve in the future. All right, and so of course, one big asset of our platform is that we can really program the geometry at will. And so when you play with antiferromagnetism, you have been told since kindergarten that antiferromagnetism in a triangular lattice is non-trivial because of geometrical frustration. If you put one atom in the ground state, one other atom in the Rydberg state, if you want to fulfill antiferromagnetic conditions, there's no way you can do it for this third atom here. And so this yields to a macroscopic degeneracy of ground states for a large triangular array. But then when you induce, when you have quantum effects, you can have some more subtle phases that appear. So this is something we are just starting to do now, but I can't resist to show this snapshot that was obtained in the lab by the students over. And so this is really, the images in the lab. You start with this large array, but which is loaded, as you see, with defects. You assemble the atoms one by one to have this very nice 147 array. And then you do your Rydberg excitation. And in that case, you see that what you get is a very ordered structure where you have one Rydberg atom every third site. So this is a phase that fits naturally to a triangular lattice. It's not a frustrated phase. The frustration would occur only if you are in a regime where you expect to have exactly as many spin up as spin down. Here, you on a triangular lattice with an antiferromagnetic Hamiltonian, you can create this one-third phase where you have every third atom which is in the spin-up. All right, so this is still things that we will work on a lot in the future. And we can measure correlation functions and so on. Very briefly, because I think I'm running out of time. I don't remember exactly when we started, but we can also use the other type of interaction I was mentioning, namely the resonant dipole-dipole interaction, to implement XY spin models. So very briefly, in a nutshell, this is a flip-flop term. And so imagine you have a chain like with just three atoms like this, with spin-up, spin-down, spin-down. In that case, this dipole-dipole interaction will, for example, exchange the state of those two atoms. So you end up in this down-up-down. And then you can go to down, down, up, for example. And you see that actually, if you think about it, here you have a spin-up excitation, which has just propagated from the first atom to the third. And you can map this rigorously onto a hopping particle, which is hopping on sites. So this is a quantum particle in a periodic array, if you wish. But the nice thing about it is that, in fact, of course, when you have a spin-up excitation on an atom, you cannot have more than one spin-up excitation. And so, in fact, this particle which is hopping in this lattice, actually, if you have several spin excitations, you can map this to a system of hardcore bosons. And so you have built in some very strong interactions between those quasi-particles here. And so this is something that we are using in the lab. I will not go into the details because there's no time, but to explore topological matter. So one thing we did last year was to explore the effect of hardcore interactions on the Susch-Riffer-Higger model, which is in some sense the simplest topological model you can think of. And we created a symmetry-protected topological phase, so really something that arises thanks to the strong interactions between the spin excitations. And in the future, we want to extend this to two dimensions, and we made the first steps toward this by engineering some spin orbit coupling, where you can have, for example, a spin excitation that will hop from one side to the next in this little triangle, but with a preferred direction, so you have a chiral motion of your spin excitation. All right.
So to conclude, I hope I have conveyed the idea that these Rydberg arrays are quite ideal for quantum simulation of spin models. We are now routinely using up to 200 atoms in the lab. I think we can scale this up to several hundreds of spins in the near future, and more maybe in the future. So I focused, of course, on quantum simulation because this is what we really do in the lab at the moment. But this platform has attracted also a lot of interest for quantum computing, quantum gates, and so on. And the fidelities have been improving really a lot over the last year, basically, with now things, fidelities that approach those of ions or superconducting qubits. And this is what led to the foundation of Pascal. So Loic will present this to you. So I forgot to talk this morning. So with that, I thank you for attention. Merci Thierry. Maintenant, la parole est à Loïc. Oui, donc je ne sais pas si d'abord, si vous avez des gens dans l'auditoire ont des questions pour Thierry à ce moment-là, que c'est peut-être oui. Mieux de les prendre actuellement, et sinon je prends la main. Is there someone who prefers to English, or I can switch to French? Bon, bah, je vais parler en français si jamais personne s'oppose. Je vois pas de réaction. D'accord. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais partager mon écran. Vous devriez voir mon écran, est-ce que c'est bon? Oui, ok, très bien. Je vais présenter la startup Pascal. Pascal est une startup qui a été fondée l'année dernière. C'est une spin-off de l'Institut d'Optique du groupe d'Antoine Braouès et Thierry Lahaye, dont vous venez de voir un exposé. On a notre propre prototype qui est en cours de développement. Donc voici une photo d'il y a quelques mois. L'idée est de commencer à travailler sur des cas d'usage à partir de l'année prochaine, 2021, quand la machine sera opérationnelle, elle le sera bientôt, avec des partenaires académiques et industriels sélectionnés sur des choses sur des sujets qu'on trouve intéressants. Et l'objectif est de rendre l'accès à cette machine disponible à tout le monde à partir de 2022 via un accès cloud. Donc je vais d'abord parler des contrôles de la machine. Donc, Thierry a mentionné le contrôle analogique, mais il a principalement parlé du contrôle analogique de la machine. Donc, dans ce mode, la dynamique du système est contrôlée par un Hamiltonien, donc par exemple un Hamiltonien de spin de type easing, et on peut contrôler la dépendance temporelle de certains coefficients dans ce Hamiltonien, comme par exemple ici la fréquence de Rabi et le désaccord d'un laser, et induire une dynamique intéressante dans le système et contrôler le système avec cette approche analogique. Et il y a aussi une approche digitale qu'il a mentionnée, mais sans en parler en détail. Et une approche digitale, ça correspond à programmer la dynamique du système avec un circuit quantique, des portes quantiques. Donc dans cette représentation, chaque ligne représente l'état d'un quantique, d'un qubit, et on peut appliquer des opérations à un qubit comme une porte Adamard ici, ou des opérations à plusieurs qubits comme une porte CZ là, qui donc implique deux qubits et qui correspond à une opération qui génère de l'intrication entre les qubits. Donc je vais revenir un peu sur cet aspect pour préciser quelques points. Avec des atomes de Rydberg, on peut réaliser des rotations à un qubit arbitraire. Et notre opération qui génère de l'intrication, la porte à deux qubits natifs du système, c'est la CTRL-Z.
La contrôle Z, la porte contrôle Z, elle a une représentation matricielle assez simple, 4 par 4 que vous pouvez voir ici. Donc dans les états de base sont 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1. On peut voir que quand le premier qubit, le qubit de contrôle est dans l'état 0, correspond à l'identité sur le second, tandis que si le qubit de contrôle est dans l'état 1, on applique une porte Z au second qubit. Donc c'est cette porte qui est notre porte native pour générer de l'intrication. Elle a été proposée dans les années 2000 par Dieter Jaksch, Lukin, Zoller et co-auteurs. Et un des avantages de la machine est qu'on peut effectuer cette porte avec une connectivité qui est relativement grande, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément limité aux plus proches voisins. Donc, comment cette porte marche? En fait, elle est générée à partir d'une séquence de 3 pulses laser qui sont réalisées sur le qubit contrôle et le qubit cible. Donc voici un petit peu les deux cas possibles. Le qubit de contrôle peut être dans l'état 1 ou dans l'état 0. Et on voit en fait que en fonction de l'état du qubit de contrôle, on réalise ou non un pulse de pi sur le qubit cible. Et donc dans ce cas-là, quand le qubit de contrôle est dans l'état 1, on peut faire un pulse de pi, tandis que quand le qubit de contrôle est dans l'état 0, on ne peut pas faire un pulse de pi car il y a une interaction Rydberg-Rydberg qui provoque un offset de l'énergie de l'état de Rydberg ici. Et donc, le fait de faire quand on fait un pulse de pi, on génère une phase de pi. Donc, le système acquiert une phase de pi en plus, tandis qu'ici, elle ne l'acquiert pas. Donc, c'est ce qui est à l'origine de ce moins 1 dans la représentation matricielle de la porte CZN. Globalement, assez facile de faire une CZ dans ce genre de système. Donc, il y a 3 pulses laser et on utilise un état de Rydberg de façon transitoire pour générer donc cette porte conditionnelle. Comme l'a mentionné Thierry, récemment, il y a eu des bons résultats de fidélité qui ont été publiés, donc notamment dans le groupe de Michel Lukin en 2019. Alors qu'on était parti de première réalisation en 2010 avec des fidélités de l'ordre de 0,75 dans le groupe de Mark Safman. Donc voici l'exemple de la table de vérité d'une porte CNOT construite à partir de la CZ, donc publiée dans l'article de 2019. Donc on voit qu'il y a relativement des très bonnes performances avec l'état actuel des choses. Un des avantages de la technologie d'atome neutre, c'est qu'on peut faire de façon relativement facile des portes qui vont générer de l'intrication à plus de 2 qubits. Donc un exemple particulier, donc dans le même papier de 2019, correspond donc à la réalisation de la porte Toffoli. Donc la porte Toffoli, c'est une porte contrôle-contrôle-note. C'est une porte à 3 qubits, et conditionnellement à l'état des 2 premiers, on va appliquer une porte note ou non sur le qubit cible. Donc dans ce papier-là, Michel Lukin et les co-auteurs ont publié une valeur de la fidélité de la porte Toffoli qui correspond aux meilleures fidélités mesurées pour cette porte. Et en fait, on pourrait généraliser ça de façon relativement facile et faire une CCC note, par exemple, de façon pas trop compliquée par rapport à d'autres plateformes comme les ions piégés ou les qubits superconducteurs, par exemple. Donc, un autre avantage en ce qui concerne encore les portes sur la plateforme d'atome neutre correspond à la connectivité qui est relativement importante entre les qubits, c'est-à-dire que sur la plupart des puces d'informatique quantique, on peut imaginer une connectivité premier voisin, et le fait d'avoir une connectivité premier voisin va engendrer la nécessité d'introduire des portes d'échange lorsqu'on veut réaliser une opération quantique entre des qubits qui sont situés loin l'un de l'autre sur cette architecture.
C'est-à-dire que si on veut intriquer le qubit qui est en bas à gauche avec celui qui est en bas à droite, on va devoir réaliser des portes d'échange pour amener l'information quantique d'un bout à l'autre du registre, ce qui va engendrer un nombre additionnel de portes d'échange à introduire, qui peut faire exploser le nombre de portes à faire pour réaliser un algorithme donné. Tandis que si on se place à 2D avec une connectivité un peu meilleure, on voit que le prix à payer est nettement moindre. Et si jamais on était capable de le faire à 3D, ce qui n'est pas encore possible sur la manip de l'Institut d'Optique ni sur celle de Pascal, on aurait à ce moment-là un coût assez peu élevé, un prix à payer assez peu élevé, donc comme illustré ici sur la courbe rouge où je montre le nombre de portes nécessaires pour réaliser un circuit donné. Les applications de Pascal et sont assez sont peuvent être séparées en deux grands domaines. Le premier dont a parlé Thierry pendant la première partie de ce séminaire, qui correspond à la simulation quantique. Donc c'est recréer de façon artificielle dans un laboratoire un modèle d'intérêt pour étudier la physique quantique à NCA. Donc ça peut avoir beaucoup d'applications en magnétisme quantique ou aussi en chimie pour la découverte de médicaments, etc. Donc ça, c'est évidemment la première application, l'application phare de la machine, c'est répondre à des interrogations sur des problèmes quantiques. Un autre domaine d'application consiste à essayer de résoudre des problèmes classiques, computationnels, difficiles. Donc, par exemple, essayer de résoudre un problème d'optimisation compliqué ou arriver à créer des procédures de machine learning qui sont accélérées de par un effet quantique, etc. Donc ici, j'ai montré un exemple d'un problème d'approximation qu'on étudie, qui est un problème de graphe, qui s'appelle le problème Maximum Independent Set. Le problème Maximum Independent Set, l'objet de ce problème est de trouver le set indépendant le plus grand d'un graphe. Qu'est-ce que c'est qu'un set indépendant? C'est un sous-ensemble des nœuds de ce graphe, tel qu'il n'y a pas d'arête entre les points de ce sous-ensemble. Donc ici, pour ce graphe-là, à chaque fois, les points rouges constituent un set indépendant, parce qu'il n'y a jamais d'arête entre deux points rouges. Et le set indépendant de taille maximale correspond aux deux graphes du milieu ici, avec quatre points rouges. Donc évidemment, sur ce graphe-là, c'est très facile de connaître le maximum independent set, qui est taille 4, mais sur un graphe arbitraire, c'est en fait un problème qui est NP difficile, de déterminer la taille du maximum independent set. Et donc, les algorithmes classiques se heurtent à des difficultés quand la taille du graphe augmente, quand la taille du graphe augmente au-delà de quelques centaines de nœuds. Donc, je vais revenir en détail sur ce problème un petit peu plus tard, mais pour vous donner un peu un aperçu de la pile logicielle quantique, enfin d'un ordinateur quantique. Donc nous on attaque deux types de problèmes, les problèmes classiques computationnels ou des problèmes de simulation quantique avec deux modes de contrôle, donc soit des portes avec un modèle digital, soit un contrôle analogique. Et donc le cœur de Pascal, c'est évidemment la construction du hardware quantique et d'arriver à augmenter le nombre d'atomes, les fidélités et la fiabilité du hardware. Donc je ne vais pas m'attarder sur un exemple de quantum simulation, parce que vous avez vu la présentation de Thierry, mais je vais vous montrer plutôt un exemple de cas d'usage sur un problème classique de calcul, qui est un problème computationnel. C'est un problème sur lequel on a travaillé avec l'entreprise EDF, et qui consiste à trouver un planning de charge optimal pour des véhicules électriques qui doivent se recharger sur un ensemble de bornes. Donc en fait, l'objectif, c'est d'arriver à ordonner et à classer ces charges, à déterminer quel est le programme optimal de charge. Et sous certaines conditions qui sont qui sont vérifiées tout le temps, c'est-à-dire que les tâches de chargement ne peuvent pas être réalisées si elles sont en même temps et au même endroit.
Par exemple, en fait, ce problème-là peut être modélisé sous la forme d'un problème de maximum independent set. Donc, on modélise un graphe. Le problème peut être modélisé par un graphe avec l'objectif de trouver le programme optimal correspond à trouver le maximum independent set de ce graphe. Et donc, comment on peut trouver le maximum independent set d'un graphe avec les devices Pascal? C'est quelque chose d'assez intéressant parce que c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire en mode analogique, donc c'est-à-dire en contrôlant le système avec son Hamiltonien. Donc, comme l'a montré tout à l'heure Thierry, le système peut reproduire un Hamiltonien de ce type-là, c'est-à-dire un Hamiltonien dans lequel on a une pénalité très forte à payer, un prix très fort à payer si jamais deux excitations sont proches l'une de l'autre. Donc c'est l'effet du blocage de Rydberg. Et donc, pour trouver le maximum independent set d'un graphe, en fait, on peut réaliser le graphe en question avec des atomes dans un plan. Donc, ce n'est pas généralisable pour n'importe quel type de graphe, mais pour certains types de graphes. Et donc, si deux atomes sont à une distance qui est inférieure à une distance caractéristique d'interaction, le blocage de Rydberg va empêcher l'excitation simultanée de ces deux atomes. Donc, en fait, la contrainte d'indépendance va être automatiquement respectée dans la dynamique du système. Donc, c'est quelque chose qui est relativement intéressant. C'est-à-dire qu'on implémente de façon native la contrainte d'indépendance dans le hardware. C'est-à-dire que la dynamique ne peut que se faire dans les sous-espaces des sets indépendants. Quelque chose qui est relativement important, c'est que le problème maximum independent set peut être transformé en d'autres problèmes de graphes relativement communs, comme vertex cover, minimum constraint removal, maximum click, le problème de satisfiabilité aussi, et donc qui correspondent à des applications à part entière. Donc, je pense que je vais m'arrêter là pour pouvoir vous donner un peu la parole si vous avez des questions. Et je vous remercie pour votre attention. Merci Loïc. Est-ce qu'il y a des questions? J'en vois pas pour le moment. Je sais qu'il y a des rangs. Ah oui, André-Marie, vas-y. Donc, merci pour ces présentations très intéressantes. Donc, pour simuler des fermions, est-ce que la seule possibilité, c'est de faire transformation de Jordan-Wigner ou s'il y a d'autres façons d'y arriver? Pas si Thierry, tu veux répondre. Non, vas-y. c'est une super question que je me pose beaucoup. Et pour l'instant, non, à part faire Jordan-Wigner ou Bravais-Kitaïev, je vois pas. C'est le point de départ. On part d'un Hamiltonien fermionique de fermion fortement corrélé, ensuite transformation sur un Hamiltonien de spin avec Jordan-Wigner par exemple. Et ensuite essayer de d'implémenter cette chose-là sur la machine avec des spins. Est-ce qu'il y a des projets de mettre ça en hardware, en matériel ou... C'est-à-dire de faire des vrais fermions? Ben, c'est-à-dire que non. C'est-à-dire que là, vous avez du logiciel finalement qui crée un Hamiltonien de spin, hein? Donc qui contrôle tous les lasers, etc. C'est pas, il y a quand même toute une espèce de compilateur qui va créer les Hamiltoniens. Donc ma question c'est est-ce que vous avez l'intention de créer quelque chose d'analogue pour pouvoir générer des Hamiltoniens fermioniques? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il y a pas mal déjà de gens au niveau du software qui ont travaillé sur cette question-là, c'est-à-dire à partir d'un problème fermionique, d'arriver à trouver le Hamiltonien, à transformer ce problème fermionique en un problème de spin de façon automatique avec un compilateur qui ensuite après peut être attaqué par une machine à qubits à spin.
Donc je pense que oui, il y a pas mal d'efforts dans cette direction-là. Et nous, on veut évidemment y participer parce que c'est vraiment intéressant pour nous d'essayer de voir quels seraient les résultats de la machine sur ces problèmes-là qui sont évidemment, évidemment très intéressants. Merci beaucoup. Juste un commentaire parce que peut-être qui manquait peut-être un petit peu à la fin. Je pense que l'idée, la raison pour laquelle aussi j'avais un petit peu discuté avec Karl et l'équipe à l'IQ pour motiver aussi la présentation, c'est que la plateforme Pascal, donc le hardware, donc l'explication, c'est vrai que j'ai pu faire une petite introduction. Il y a l'équipe académique avec Thierry et Antoine qui ont fait les papiers, les démonstrations, qui continuent à travailler sur les effets topologiques, many body physics et implémentation sur l'expérience. D'un autre côté, Pascal, la spin-off, a transféré la technologie exactement 100% dans la start-up et dans un produit. Et le produit, il arrive mis à disposition des clients. Alors, je vais dire qui sont les clients, mais il arrive là maintenant au premier semestre 2021. Et l'idée pour la startup, le principe, ce qu'on cherche à faire, c'est sur la partie quantum simulator, donc la machine analogique dont a parlé Loïc en particulier, c'est de trouver des collaborations soit industrielles, par exemple le cas EDF, qui a un problème de graphe qu'on cherche à implémenter, et donc avoir un travail avec eux sur les chercher. Quantum suprématie sur un problème de graphe avec la machine analogique dans une gamme de nombre de qubits de l'ordre de 300, 400, je pense assez rapidement. Et puis l'autre qui est même, je pense, plus intéressant même à court terme, c'est de poursuivre le travail sur tout ce qui est Quantum Anybody Systems, y compris sur des travaux très académiques, mais qui sont implémentés sur la machine. Donc la concevoir un petit peu comme un grand instrument, un petit peu, si vous voulez, partagé, à disposition des théoriciens pour qu'ils puissent implémenter dessus à travers, et il y aura, comme disait Loïc, un compilateur, des choses comme ça. Mais vraiment, l'idée, c'est de mettre à disposition la machine pour les théoriciens de la matière condensée pour qu'ils puissent l'utiliser comme vraiment une expérience, un vrai système programmable à distance. Bon, à distance... ou Human API, comme on dit, en tout cas avec une intermédiation. Ça, c'est vraiment l'idée. C'est le type de choses qu'on cherche à faire pour l'avenir à venir, c'est de construire ces collaborations, et notamment, vu toutes les thématiques que vous portez à l'Institut Quantique, l'idée, c'était de voir s'il y a des liens à construire, des choses qu'on peut faire dans la mise à disposition de la machine pour des vrais besoins de recherche scientifique. Donc, on est une start-up, évidemment, avec les intérêts commerciaux, etc. Mais je pense que sur cette technologie-là en particulier, ce qu'on cherche, c'est amplifier les travaux qui étaient faits pour faire l'avantage quantique en physique. Et ça, je pense que c'est la seule bonne première application qu'on a pour l'ordinateur quantique, c'est celle-là. Et avec cette machine-là, on l'a vraiment. Et ça existe déjà. Et on le fera plus même. Merci de la précision. Merci beaucoup. Christophe, je vois qu'il y a Stéphanos qui a également une question. Oui, merci pour cette présentation. Loïc et Thierry, j'ai deux questions. La première est, si on peut préparer des états qui sont des états avec des ordres, des états initiaux avec des ordres. Oui, le type de désordre, évidemment, ça va dépendre un peu du type de désordre, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Donc, on peut faire du désordre en position, par exemple, qui se traduit par un désordre sur les énergies d'interaction. Et ça, comme on a un contrôle complet sur la géométrie, on peut vraiment... je dirais qu'il n'y a pas de limite. Bon, il y a toujours après des limites techniques, mais on peut vraiment, en principe, avec une distribution d'énergie, de désordre sur les énergies qu'on veut faire, on fait la transformation inverse et on peut tirer des géométries qui réalise bien ce désordre. Après, on peut penser aussi avoir du désordre, par exemple, sur les champs longitudinaux et transverses, hein, en venant moduler spatialement les lasers qui correspondent à ça. Donc ça, c'est des choses qu'à l'heure actuelle, on n'utilise pas sur la manip, mais qu'on est en train de mettre en place. Donc ce type de désordre-là, on peut vraiment le faire, et c'est complètement naturel sur cette plateforme. Ok, excellent. Une deuxième question.
plutôt sur ces problèmes avec le chargement des véhicules électriques. Alors, j'imagine que ça, c'est... alors, le problème est défini sur des réseaux qui sont planaires. Alors, le problème de maximum independent set, est, on peut approximer un temps polynomial sur des graphes planaires. Je me demande s'il y a une, si on vise, par exemple, un avantage quantique dans la résolution de ces problèmes. Ouais, bah c'est une très bonne question. On est en train de se la poser de façon très, très poussée avec EDF. En fait, il y a une première, il y a une étude numérique qui a été faite par des gens de chez Atos qui montre que même dans le cadre, même s'il existe des algorithmes d'approximation polynomiaux, on peut espérer un avantage quantique avec les atomes de Rydberg, avec les méthodes que j'ai proposées autour d'un millier d'atomes. Donc on devrait avoir des choses qui sont à peu près du même ordre de grandeur en termes de temps en termes de performance. Après il se pose la question de est-ce qu'on peut pas arriver à faire quelque chose d'un peu plus malin pour résoudre des problèmes maximum independent set plus durs que ceux qui sont planaires. Ça c'est un travail, on travaille dessus de façon assez active actuellement et on a des bonnes pistes. Pour l'instant il n'y a rien de pas de résultat définitif, mais on travaille dessus. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions pour nos invités? Et un mot de la fin, Christophe? Un mot de la fin. Moi, c'est un appel, surtout. Donc, je pense que, effectivement, bon, il n'y a pas la... je pense qu'à l'Institut, nous, ce qui nous intéresse vraiment, et bon, c'est pour ça que j'avais un peu sollicité, je pense qu'on peut être assez complémentaires parce que les compétences qu'il a à l'Institut sur les thématiques du quantique, elles sont complètement celles, je pense, qui peuvent bénéficier de l'usage de la machine. Je dirais de façon très pragmatique, on veut vendre des machines, on veut vendre du temps, donc ça c'est le rôle de Pascal, et de l'accompagnement aussi pour apprendre les gens à utiliser cette machine. Donc nous, on est tout à fait ouvert à des collaborations, et sur ce type de sujet, ça ne vient pas tout de suite, je pense que ça prend du temps. Il faut que les gens réfléchissent à qu'est-ce qu'on peut faire tourner. Donc l'idée, c'était de montrer les capacités de la machine. Je pense qu'il n'est pas très connu, parce que les gens, c'est arrivé très très récemment, hein, comme l'a montré Loïc, quand on montrait Loïc et Thierry, les papiers sont quand même très récents, 2 ou 3 ans, donc ça n'a pas complètement percolé en dehors de la communauté atomique moléculaire optique. Il y a plein de gens qui ne connaissent pas ces plateformes-là, donc l'idée c'est de montrer qu'elle est là, qu'elle existe, qu'elle est beaucoup plus mature en termes de scale et nombre de qubits que ce qu'on peut faire avec d'autres technologies, pas encore en termes de fidélité dans le digital, mais sur la partie analogique, c'est quelque chose qui marche aujourd'hui et qui est là. Donc l'idée vis-à-vis de l'IQ pour Pascal, je pense, c'était de voir si... il y a des liens, des possibilités de travailler en commun. Encore une fois, qui peut être très académique, on est vraiment ouvert à ça. Je pense que ce serait intéressant pour les deux parties d'essayer de construire ce type de partenariat. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que d'ailleurs, il y a des rencontres de prévues individuellement avec un certain nombre de personnes qui ont assisté. Alors, bonne chance pour la suite. Merci beaucoup, messieurs. À une prochaine, sans doute. Ouais. Merci beaucoup. À Sherbrooke, j'espère. Ouais. Oui. Merci beaucoup. Souhaitons-le. Merci. Bientôt. Merci. Au revoir.